Yo tout le monde, petite vidéo, courte vidéo, juste pour vous dire merci en fait, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, puisque j'ai, là, alors que je vous parle, j'ai 100 abonnés sur ma chaîne, wouh, c'est la fête! Alors en vrai, je m'en fiche un peu hein, que le nombre que ce soit, enfin, ça représente quand même pas mal de monde, 100. Alors je vais pas faire de FAQ ou quoi que ce soit, c'est pas dans mon genre, enfin, si vous avez des questions à me poser, allez-y, mais je vais pas faire une vidéo FAQ là-dessus, bref. 100 abonnés, ouais, c'est vrai que j'y aurais pas cru depuis que j'ai laissé mon petit commentaire sur la chaîne de Jean-Baptiste Show. J'avais laissé un commentaire et il y avait des gens qui s'étaient apitoyés sur mon sort. C'est pas forcément ce que je voulais juste. Comment dire. Je vais juste parler un petit peu bah, de la réalité de moi, mais surtout de d'autres chaînes en fait. Parce que je resitue le truc, c'est qu'en gros, la vidéo en question. Disait qu'il fallait pas lâcher en fait ses comment dire ses projets notamment pour sur YouTube quoi qu'il fallait s'acharner jusqu'à avoir je dirais un succès mérité et moi j'avais dit que bah pourtant je faisais des trucs originaux sur ma chaîne et puis que ça marchait pas ce qui était vrai hein, j'essayais quand même des trucs assez originaux je faisais pas forcément des trucs que je dirais conventionnels et bah j'avais pas beaucoup d'abonnés c'est plus trop le cas hein. 100 abonnés c'est quand même pas mal hein, faut avouer mais surtout voilà le commentaire que j'avais mis c'était pour c'était pas forcément que ma condition quoi c'était aussi un petit peu d'autres personnes qui étaient dans cette même condition là qui faisaient des trucs originaux des trucs intéressants et qui n'avaient pas forcément un succès mérité derrière comparé à d'autres qui faisaient des trucs vraiment nuls et qui ont derrière un gros succès bref. Donc j'avais mis un petit commentaire là-dessus, bon, il y a des gens qui s'étaient apitoyés sur mon sort, qui étaient venus voir ma chaîne, du coup ça a attiré du monde, hein, à juste titre, et qui se sont dit, ah c'était pas trop mal ce que tu faisais, etc., continue, machin, machin. Ça m'a fait très plaisir hein, d'avoir du monde qui s'intéressait à ce que le peu que j'ai fait, parce que bon, faut avouer, j'ai pas fait non plus des tas de choses, mais ça faisait plaisir qu'il y ait du monde qui vienne mettre des mots gentils sur ma chaîne. Et bah voilà, j'avais environ, ça tournait à 25-30 abonnés depuis. Donc j'avais fait quelques vidéos, notamment les comptes du hasard, plus la vidéo one shot qui avait pas mal de retours, enfin de pouces rouges, bizarrement. Enfin, pas bizarrement, mais je veux dire, moi je trouve que la vidéo est géniale, quoi. J'aime beaucoup cette vidéo-là. Et ça n'a pas forcément fait l'unanimité, mais bon, tant pis. Mais autrement, même quelques vidéos. Le let's play sur Celestian Tales, il y a eu quand même pas quelques personnes qui l'ont suivi, donc ça fait plaisir. Et sinon, bah là, le fait que j'ai 100 abonnés, c'est parce que récemment, là, les 2 dernières semaines, enfin, même pas, hein, 7 semaines même, puisque là, je sais pas quelle date on est le 20 octobre, voilà, j'ai hâte de regarder. J'avais posté donc du coup le AV de Dragon Ball Z, la revanche de Freezer. Et il y a beaucoup de gens qui ont. J'ai plus de. Alors, la dernière mise au point que j'ai faite, la mise au point d'octobre, j'avais peut-être même pas 1000 vues, là, j'en ai presque 9000. Ça veut rien dire. Et plein de gens qui sont. Ah, merci d'avoir mis ça, trop bon boulot et tout. J'ai fait aucun boulot, ne serait-ce que d'avoir uploadé les vidéos. Enfin, j'ai juste téléchargé, j'ai juste regardé le film, je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de le mettre sur YouTube et le proposer à tout le monde. Je l'ai uploadé, ça m'a pris une bonne journée parce que le upload a été long. Et c'est tout, j'ai pas traduit, j'ai pas fait les subs, j'ai pas fait l'encodage ou quoi que ce soit. J'ai juste uploadé la vidéo, hein, les mecs, hein, y a pas de secret. Mais ça a attiré beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés à ma chaîne, bah, je dirais un peu pour ça, quoi. Du coup, bah merci, hein, même si je pense que la grande majorité se fiche un peu des vidéos que je fais, je veux dire, enfin là, ils sont abonnés de manière compulsive. Enfin, je sais pas, peut-être qu'ils sont intéressés du travail, de ce que j'ai proposé avant et de ce que je vais proposer, je sais pas. Bref, toujours est-il que j'ai 100 abonnés. Je remercie en tout cas ceux qui, celles et ceux, et bref, tout le monde qui, comment dire, ont pris le temps de regarder mes vidéos, s'y sont intéressés, ont répondu à certaines vidéos, à quelques commentaires. Ils se reconnaîtront hein, d'ailleurs, les personnes que je cite, j'ai pas les noms en tête, mais il y a quelques personnes voilà, que je sais qui sont récurrentes, donc je les remercie. Plus, bah, bienvenue donc aux nouvelles et aux nouveaux sur la chaîne, en espérant que bah, le contenu vous plaira. Du coup, ça me motive en fait de faire des trucs, quoi, mais je trouve que je sais pas quoi faire, quoi. Je suis assez limité, je dirais, en termes de moyens pour faire des vidéos, ce truc qui me plaise, quoi. Je vais pas faire des tutos, ou je sais pas, je vais pas faire de la chasse aux fantômes, ou je sais pas. en train de chercher des sujets à faire, mais voilà, j'aime bien faire du gaming ou des petites vidéos comme ça, un peu vlog.
enfin, où je parle un peu de sujets qui m'intéressent, j'aime bien ça. Mais bah, je sais pas, j'arrive pas à trouver beaucoup de diversité là-dedans. Bref. Bon voilà, donc j'espère que du coup ça va plaire à certaines personnes, aux nouvelles personnes qui se sont abonnées. Voilà, je pense que je vais arrêter de parler pour rien dire. Encore une fois, merci. Merci de vous être abonné, merci de suivre un peu la chaîne. Et bah, à très bientôt pour de nouvelles choses. Salut!